Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une paire de mitaines, donc très facile à réaliser au tricot, très rapide, car nous allons la tricoter donc avec des grosses aiguilles et de la laine doublée. Vous pouvez la tricoter avec des aiguilles simples et seulement un brin de laine plutôt que doublé. Il suffit juste donc de multiplier donc les mailles que je vais monter, etc., par deux. Vous multipliez tout par deux et vous aurez donc votre mitaine exactement de la même taille que si on l'a tricotée donc avec les grosses aiguilles. Donc ici c'est une taille donc pour homme car je la fais donc pour mon conjoint. Mais vous pouvez faire aussi donc pour femme. Il suffit juste donc au lieu de prendre donc moi ici je vais prendre de la laine qui se tricote en 4-5. Pour faire une taille femme, vous prenez simplement de la laine qui se tricote en 2-3. Donc une taille en dessous de la laine. Et vous aurez donc pour une main de femme. Donc pour réaliser cette mitaine, donc il y a juste le pouce qui est à part. Ici, c'est un grand trou donc pour passer les mains. Donc c'est très facile à tricoter. Donc pour commencer, on va venir prendre donc des aiguilles 6 mm. Donc si vous voulez faire avec des aiguilles plus fines, donc vous prenez des aiguilles 3, 3,5 et vous montez donc le double de maille. Donc ici comme j'ai des aiguilles 6 mm et que j'ai doublé donc ma laine, je vais venir monter 30 mailles. Donc vous, si vous voulez, vous doublez donc avec un seul brin de laine. Vous montez donc 60 mailles. Donc je prends assez de fil et je viens monter donc mes 30 mailles. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une fois donc que j'ai monté mes 30 mailles, je vais venir donc tricoter au point mousse. Donc le point mousse est à l'endroit normalement. Donc on pique par devant, un jeté et on repasse dans la boucle. On pique par devant, un jeté et on repasse dans la boucle. Et ainsi de suite donc sur tout le rang. Et on va venir répéter donc ce point pendant environ 12 rangs. Donc c'est pour faire donc au niveau du poignet ici, le point mousse. Donc vous tricotez à l'endroit sur tous les rangs, donc pendant 12 rangs. Si vous réalisez avec des aiguilles plus fines, donc des 3 à 3,5, vous réalisez donc le double de 12 rangs, donc 24 rangs. Mais ici, comme j'ai des grosses aiguilles, donc je fais 12 rangs. Donc voilà, j'ai réalisé donc mes 12 rangs de point mousse. Maintenant, nous allons venir effectuer 6 rangs de jersey en droit. Donc pour le jersey en droit, donc sur l'endroit du travail, nous allons venir donc tricoter à l'endroit normalement, comme pour le point mousse. Donc j'ai terminé mon rang donc à l'endroit. Le rang suivant, on va venir donc tricoter à l'envers pour former donc le jersey. Donc à l'envers, on pique la maille de ce sens par devant donc et on tricote comme ceci. Donc sur tout le rang. Et on va venir donc répéter ces deux rangs. Donc un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert pendant 6 rangs au total. Donc c'est pour former donc la partie ici donc de la mitaine juste avant le pouce.
Donc pendant 6 rangs. Hein. Donc là, ça fait déjà mon deuxième rang, donc je vais encore en faire 4. Donc voilà, j'ai terminé donc mes 6 rangs de jersey en droit. Maintenant, on va venir donc faire des augmentations donc au milieu pour former donc le pouce. Donc pour faire le pouce, on va commencer donc par tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, on va venir faire donc une augmentation. Donc pour les augmentations, on pique dans la maille du rang précédent et on la tricote. Nous avons fait donc une augmentation. On tricote 2 mailles, 1, 2, et on va venir effectuer encore une augmentation. Donc je viens chercher la maille du rang précédent et je la tricote. Et on tricote les 14 mailles restantes à l'endroit normalement. Donc on continue bien en jersey en droit. Donc sur l'endroit on tricote à l'endroit et sur l'envers on tricote à l'envers normalement. Les augmentations se font uniquement sur l'endroit du travail. Donc là j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, donc je ne touche à rien. Je viens juste le tricoter donc à l'envers normalement donc pour former le jersey. Tous les rangs donc envers seront tricotés à l'envers normalement sans augmentation et sans diminution. Donc j'ai terminé mon rang envers normalement. Donc maintenant on va venir encore effectuer des augmentations au milieu. Donc je tricote mes 14 premières mailles à l'endroit normalement comme tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais venir faire donc une augmentation comme tout à l'heure, toujours pareil. Comme tout à l'heure, nous avons fait deux augmentations plus les deux mailles qui étaient au milieu. Donc maintenant, on va venir tricoter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et les 14 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14. Le rang suivant, je vais venir donc le tricoter tout à l'envers normalement, sans augmentation. 1, 2, 3. J'ai terminé donc mon rang vert. Le rang suivant, on va encore venir faire toujours donc des augmentations pour le pouce. Donc je tricote toujours mes 14 premières mailles donc à l'endroit normalement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tout à l'heure, nous avons 4 mailles au milieu, mais comme on a fait des augmentations, donc on va faire 6 mailles au milieu. Mais avant les 6 mailles, j'ai oublié donc mon augmentation. Donc 14 mailles, une augmentation, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation
et les 14 mailles restantes. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. Le rang suivant, je vais venir donc le tricoter tout à l'envers normalement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Donc maintenant, on va se concentrer vraiment que sur le pouce. Et on oublie, donc on met de côté les autres mailles donc de la main. Donc pour cela, on va venir d'abord tricoter donc les 14 mailles donc d'un côté et les 8 mailles pour le pouce. Donc ce qui fait donc les 22 premières mailles. Donc, on tricote les 22 premières mailles à l'endroit normalement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc normalement, si tout est OK, il vous reste 14 mailles ici, donc pour l'autre côté donc, de la mitaine. Donc arrivé ici, on va venir retourner donc, le travail. Et on va venir donc tricoter uniquement donc, sur les 8 mailles centrales donc, qu'on a obtenues grâce à nos augmentations. Donc pour faire le pouce, donc on va venir tricoter donc les 8 mailles centrales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on les a bien tricotées à l'envers car nous sommes sur l'envers du travail, donc pour toujours avoir du jersey en droit. Le rang suivant, on va venir faire une augmentation donc à une maille des bords au début et à la fin du rang pour obtenir donc 10 mailles. Donc je tricote une maille normalement, je fais une augmentation, donc c'est comme pour tout à l'heure, on pique dans la maille du rang précédent et on la tricote. Je tricote ensuite mes autres mailles. Voilà, quand il me reste donc une maille ici, on va venir faire donc une augmentation. Donc comme nous avions 8 mailles, puis nous avons réalisé donc 2 augmentations, on se retrouve bien donc avec les 10 mailles centrales pour réaliser le pouce. On tourne le travail toujours et maintenant nous allons venir donc tricoter les 10 mailles. Donc normalement, donc quand c'est l'envers, on les tricote bien à l'envers. Quand c'est sur l'endroit du travail, on les tricote bien à l'endroit. Et on va venir comme ça effectuer environ donc 2 rangs. Donc comme j'ai déjà réalisé au total 4 rangs, je vais venir en effectuer 2. Donc, je viens refaire encore 2 rangs. Donc, un rang droit et un rang envers. Donc, comme les mailles se présentent. Hein. Donc, j'ai effectué mes 2 rangs donc, qu'il me restait à faire. Maintenant, on va venir abattre donc, les 10 mailles qui se trouvent seulement au centre. Hein. C'est pour donc le bout du pouce. Donc, pour abattre les mailles, donc on tricote 2 mailles, on prend la première et on la passe par-dessus la deuxième. On retricote une maille, on prend la première et on la passe par-dessus la deuxième.
et ainsi de suite jusqu'à temps que vous n'avez plus qu'une maille donc sur votre aiguille. Donc j'ai rabattu les mailles du pouce, donc on peut voir ici. Maintenant qu'il me reste donc une maille sur l'aiguille, donc je tire le fil tout doucement, j'enlève la maille, je prends du fil, donc je prends assez de marge pour pouvoir réaliser la couture du pouce uniquement, et je prends le fil, je le passe dans la boucle et je serre. Maintenant que nous avons ceci, on va venir donc mettre nos deux aiguilles donc endroit contre endroit, donc comme ceci. Et on va venir donc faire avec, grâce au fil ici et une aiguille à laine, on va venir donc réaliser la couture ici du pouce. Donc, je vous montre. On prend ici, comme ceci. Et on vient coudre, donc on prend comme ceci et on vient coudre ici, donc tout le long. Donc pour fermer donc le pouce. Donc je prends mon fil. Mon aiguille à laine. Et je viens donc coudre le pouce. Donc voilà la couture de mon pouce terminée. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir rajouter donc le fil pour pouvoir continuer donc le reste. Pour rajouter le fil, on va venir ici, donc sur la maille tout à côté donc du pouce. La première maille ici. Donc là, c'est l'envers du travail. On va venir donc passer le fil donc dans la maille. Vous pouvez utiliser une aiguille si vous n'arrivez pas comme ça. Voilà. Donc j'ai passé mon fil dans la maille et je vais venir faire donc un petit nœud. Je laisse un peu de fil donc pour pouvoir après donc rentrer le fil ici pour que ce soit plus propre. Donc, arrivé ici, donc on laisse de côté le fil qui est en trop, on reprend le fil donc relié à notre pelote et on va venir rajouter ici, donc on voit bien deux petits fils ici et ici, on va venir donc rajouter deux mailles pour que on se retrouve donc avec les 30 mailles comme au départ. Donc, pour rajouter les mailles, on va venir donc piquer dans une première maille. Donc ici, là je suis en double, donc je fais bien attention de prendre deux fils. Et je vais venir prendre donc ici. Et je vais venir les tricoter donc à l'envers. Car nous sommes donc bien sur l'envers du travail. Donc j'ai rajouté mes deux mailles, je les tricote. Une. J'ai dû la tourner un petit peu. Deux. Et ensuite, donc, je reprends mes 14 mailles. Donc, pour le côté donc, de la mitaine. Et je les tricote donc normalement. Le rang suivant, je vais venir donc tricoter. Maintenant, je vais venir tricoter donc toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille. Donc en jersey endroit comme pour tout à l'heure. Donc sur l'endroit à l'endroit, sur l'envers, on tricote à l'envers. Et on va venir donc tricoter comme ça pendant 8 rangs. Donc là, je commence mon premier rang, je suis sur l'endroit, donc je tricote
à l'endroit. Le rang suivant, je serai sur l'envers, donc je tricoterai à l'envers. Et comme ça, donc sur toutes les mailles, donc pendant 8 rangs au total. Donc voilà, j'ai terminé donc de tricoter mes 8 rangs, pardon, de jersey. Maintenant, on va venir donc rabattre toutes les mailles donc pour le haut de la mitaine. Donc, c'est comme pour tout à l'heure. On tricote 2 mailles. On prend la première, on la passe par-dessus la deuxième. On tricote une seconde maille. On prend la première, on la passe par-dessus la deuxième. Et ainsi de suite, donc sur tout le rang. Jusqu'à temps qu'il ne vous reste plus qu'une maille donc sur votre aiguille. Voilà, j'ai rabattu donc toutes les mailles. Il m'en reste une, donc je tire un petit peu sur l'aiguille pour agrandir la boucle. J'enlève mon aiguille. Je vais venir donc couper le fil, mais je fais attention de prendre assez de fil donc pour réaliser la couture. Et je viens passer donc le fil dans la boucle. Et je serre pour faire donc un nœud. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire donc la couture donc de la mitaine ici donc tout le long. Donc comme c'est du jersey, on va venir donc coudre sur l'endroit. Pour le pouce d'ailleurs, vous pouvez aussi le coudre sur l'endroit comme le pouce est en jersey. Donc pour tout à l'heure hein, quand on a cousu le pouce, voilà, et je vais venir donc tirer un petit peu sur les fils et je vais venir donc récupérer le petit fil donc qui se trouve entre deux et je viens donc faire pareil de l'autre côté. Je tire un petit peu le fil et je viens récupérer le petit fil qui se trouve donc entre deux mailles. Et je viens coudre comme ça, donc, tout le long. Donc voilà, j'ai terminé donc la couture. Donc la couture, elle se trouve donc ici. Donc sur la mitaine. Donc, là. Donc ça viendra sur le côté. On n'oublie pas donc de rentrer les fils pour que ce soit plus propre. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc enfiler vos jolies mitaines. Donc en plus qu'en ce moment l'hiver bien froid arrive en France et aussi à l'étranger, donc on sera bien content d'avoir de bonnes mitaines donc pour nous tenir chaud. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!